qu'il y a juste, c'est pas une question, c'est un petit commentaire et je voulais ajouter mes pensées dessous. Des fois, on a l'impression que les élèves passent plus de temps à préparer des balles qu'à étudier. Homecoming, Halloween, Spring. Je vais confirmer que pour certains élèves, c'est vrai. Parce qu'on finit l'école plus tôt qu'ici en France, on a beaucoup plus de temps pour faire des activités extrascolaires. Et d'ailleurs, c'est vu comme hyper, hyper important pour son développement de soi, d'être une personne bien arrondie, well-rounded. De faire toutes ces activités de plus, c'est vu comme hyper, hyper important, toutes ces clubs, etc. C'est sûr qu'après, des fois, c'est plus de temps, ça dépend vraiment sur la personne. Moi, j'étais vraiment dans les études, j'étais pas très pour tous les sports et tout ça qui prenaient plus de place que les études, mais je sais pour certains, c'est absolument le cas qui passe plus de temps à faire ça qu'à étudier. Pas forcément les balles, mais toutes les activités extrascolaires. Parlant de ça aussi, on a parlé beaucoup des clubs, on a posé beaucoup de questions et c'est vrai qu'il y a énormément de clubs. D'ailleurs, si un club que vous aimeriez avoir qu'ils n'ont pas dans votre école, normalement, vous pouvez aller voir le principal, parler avec, trouver un professeur qui veut bien être la personne qui surveille l'activité et vous pouvez faire presque n'importe quoi comme club tant que c'est approprié pour l'école, bien entendu. Là, par exemple, ils ont donné les exemples de glee, photo, science, échecs, théâtre, joue verbal, etc., etc. Mais ce ne sont pas forcément des clubs, ça, des fois c'est des vrais cours qui comptent comme des crédits pour vous aider à atteindre les objectifs pour avoir votre diplôme. Donc par exemple, on a des équipes de débat qui vont aller faire souvent des voyages dans d'autres écoles pour faire des débats qui sont bien construits contre d'autres élèves. Et c'est vraiment, moi j'ai pas fait ça, mais c'est quelque chose de vraiment sympa. On a le choral, ce qui des fois appelé glee, ça c'est complètement normal. Encore, ça fait partie de l'école, de votre journée scolaire. La musique c'est très 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 important dans les écoles aux États-Unis. Ça c'est sûr, ça c'est quelque chose, mais c'est pas juste un club de plus, c'est vraiment une partie qui est vue comme très importante de son scolarité. Tout ce qui est sport, échecs et tout ça, ça c'est un peu plus dans les clubs. On a aussi, j'étais dans un club où on faisait des services dans la ville, donc on a allé faire des actes de service pour aider les autres qui en avaient besoin d'aide. Vous n'allez pas être en manque d'activité dans une école publique américaine parce que les activités, justement, si vous pouvez avoir des notes qui sont super, des résultats d'examen qui sont très très bien, et il y aura pourtant beaucoup d'universités qui vont rejeter vos dossiers s'ils voient que vous n'avez pas fait des activités extrascolaires parce que c'est considéré comme une... Je suis désolée, ça m'a coupé, je sais pas où j'étais, mais en bref, il y a plein de clubs. Elle a mentionné aussi, ici dans ses commentaires, elle a parlé des écoles qui ont leurs propres médias, radio, journal, etc. Mon école en avait notre propre journal, je faisais partie une année mais pas après parce que c'était assez particulier, mais on a pris vraiment dans le papier journal, c'était vraiment cool, vraiment sympa. Et à l'époque, ça coûtait quelque chose comme 25 centimes si on voulait acheter le journal de l'école, donc c'était sympa. Et puis après, on n'avait pas de radio chez nous, mais on avait ce qui s'appelait MVTV, et ça c'était une télévision. Une station de télévision qui était propre à notre école et qui était diffusée seulement dans l'école, et c'était dans la deuxième classe du matin et on faisait tous nos annonces en fait pendant ces moments-là. Et donc c'était télévisé, moi j'étais présentatrice, c'était le genre de cours où tout le monde s'est dit ça ne servira jamais à rien, mais tout le monde voulait le faire parce que c'était tellement cool de filmer des petits clips, de présenter, de parler de sport, hein, qu'est-ce qui s'est passé, des actualités de l'école et tout, mettre tout le monde à jour sur les nouvelles. Et ça, c'était un vrai cours et c'était vraiment cool. Je pense maintenant, si je regarde ce qu'on a filmé à l'époque ou des clips et tout, je vais avoir trop la honte. Mais c'était à l'époque très très cool et je suis trop contente d'avoir participé dans ce club. Et maintenant, voilà, je fais YouTube. On savait pas même que YouTube allait être un grand truc à l'époque. Je pense que ça venait tout juste à commencer. Et maintenant, voilà, j'en fais. Donc c'était un cours que tout le monde m'avait dit, ça sert à rien, je devais choisir d'autres choses et finalement ça m'a bien servi. Est-ce qu'il y a vraiment des points comme girl, la bande de filles ultra populaire, les joueurs de foot comme on voit dans les films, ou une sorte de hiérarchie de popularité? Moi je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de hiérarchie et il y avait beaucoup plus de personnes méchantes au collège. Franchement, au lycée après, on avait tous commencé à grandir et je sais pas si mon école était l'exception pour ça.
mais j'en avais parlé avec d'autres copines dans d'autres écoles qui ont vécu un peu la même chose. Au lycée, on n'était toujours pas très très mature, donc tu avais encore un tout petit peu d'hierarchie, mais c'était rien à voir avec collège. Collège, pour moi, c'était horrible le collège. Je veux plus jamais revivre cette époque, c'était absolument horrible. Mais et c'était très très divisé. Mais oui, c'est vrai qu'on a des pom-pom girls, on a des joueurs de foot. Certains sont plus cool que d'autres. Après, dans mon école, c'était pas forcément un signe de popularité. Des fois aussi, c'était un signe que votre parent travaillait pour l'école, donc vous étiez sur l'équipe de, je sais pas, joueur de foot, sur l'équipe de cheerleader, et pourtant, c'était pas parce que vous étiez le plus cool ou parce que ça marche pas comme ça. Souvent, il faut faire les répétitions, il faut réussir les répétitions pour le foot ainsi que pour la cheerleading et beaucoup d'autres sports. Donc, ça, c'était mon expérience. Je pense dans les films aussi, il faut savoir, c'est vraiment beaucoup exagéré. Après, je suis sûre que les personnes qui, au lycée, étaient encore harcelées, que ça n'a pas arrêté pour eux au collège, que ça continue à être vraiment un problème, eux, ils diraient autre chose, ils diraient que c'était vraiment intolérable, c'était vraiment dur à vivre. Mais il y a toujours l'harcèlement, comme il y en a en France d'ailleurs, ça existe dans tous les pays. C'est un peu plus... ça existe un tout petit peu, mais c'est plus calme que dans les films. Moi, j'avais plusieurs groupes de copines, j'avais des copines qui étaient sur l'équipe de danse, j'avais des copines qui étaient vraiment dans le groupe des élèves qui s'en fichaient de l'école, qui avaient trop hâte de partir. J'avais des copines qui étaient, et des copains d'ailleurs qui étaient geeks, j'avais qui faisaient du sport, j'avais un peu de tout en fait, j'avais des amis un peu partout. Et ça posait problème à personne. Il y avait des personnes qui disaient « Ah, mais tu devrais être à ta place, tu dois rester dans ton groupe, non, il y a rien comme ça. » Donc je ne sais pas si mon école a été juste un peu plus calme sur ce niveau-là ou si ça représente pour beaucoup de monde, mais je sais que quoi qu'il arrive, tout le monde me dit que le collège est plus dur que le lycée, peu importe l'école où ils sont allés. Ils ont tous dit que le collège c'était quand même, c'était dur à vivre. Il me semble que j'ai vu plusieurs commentaires sur les uniformes dans les écoles public, que c'est obligatoire et tout. Ça c'est extrêmement rare. Ça existe dans les écoles publiques, mais dans la plupart des cas, vous avez des parents qui sont absolument contre parce que ça va contre la liberté d'expression. Après, toutes les écoles, ils ont le dress code, ce qui est un code, une liste des règles pour l'école, de comment on ne peut pas s'habiller, comment on peut s'habiller, etc. Je pourrais vous faire toute une vidéo sur ça parce que ça serait bien drôle, je pense. Mais vraiment, c'est des règles qu'on doit suivre pour être aux normes pour l'école. Et si notre tenue n'est pas jugée comme appropriée pour l'école, si ça ne suit pas les règles, on peut soit nous donner une tenue très très moche à porter pendant toute la journée pour couvrir les vêtements qui n'étaient pas jugés suffisants, ou des fois même ils peuvent nous envoyer chez nous si c'est un problème qui continue et on s'habille souvent d'une façon qui n'est pas considérée comme assez appropriée pour l'école. Ils vont en parler avec nos parents, on va être verbalisé, on aura éventuellement une petite punition, mais voilà. Pas d'uniforme dans la grande majorité des écoles, ça existe de temps en temps, mais c'est très très rare quand même. Je vais prendre une dernière petite question et puis je pense que je vais être obligée de faire une deuxième vidéo parce qu'il y a tellement de questions qui sont vraiment super et j'ai trop envie de vous répondre, mais cette vidéo est déjà trop trop longue. Donc pour la dernière question, existe-t-il un système de redoublement comme en France? Oui, vous avez le droit aussi si vos parents, même si vous avez réussi techniquement l'année, mais vos parents ils savent que vous n'êtes vraiment pas préparé pour l'année prochaine, vous n'allez pas bien réussir, ils ont l'option de vous redoubler. Aussi si vous avez que des F, que des mauvaises notes, vous avez tout échoué. Ils vont vous faire redoubler. C'est vraiment pour mettre les élèves dans un niveau où ils peuvent réussir parce que c'est ça aux États-Unis. On a vraiment cette mentalité avec l'école qu'on veut que tout le monde réussisse et qu'ils réussissent bien et que tant que tout le monde fait leur part, ils vont avoir des bonnes notes. Ça, c'est un peu l'objectif. Malheureusement, ça marche pas toujours comme ça. Des fois, il y a des élèves qui sont un peu perdus dans le système. Mais ça, c'est l'idéal. Ça, c'est les rêves qu'on aime. C'est ça qu'on aimerait accomplir avec le système de redoublement aux États-Unis. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette FAQ et j'ai trop hâte pour la prochaine qui sera pour très bientôt parce que apparemment je parle trop et j'ai trop de choses à vous dire. Et il y avait vraiment des super questions que je pense seront très utiles pour les personnes qui vont aller là-bas. Je vous aime très très fort et on se parlera dans la prochaine vidéo. Ciao!